place au derby après un début de championnat plus que difficile puisque toujours aucune victoire au compteur. Bon, la rencontre de ce soir revêt une autre image, c'est-à-dire qu'un derby contre Tarare, ça fait une éternité que ça s'était pas passé. Tarare est bien sûr mieux placé que nous puisque nous sommes seuls derniers avec zéro victoire au compteur. Mais bon, pour les derbies, tout peut arriver sur un match, donc pourquoi pas créer la surprise et voilà, faire plaisir à tout le public qui sera là ce soir, comme tous les samedis pour les matchs à la maison. Alors effectivement, avec zéro victoire, la saison se dessine mal, mais bon, on était au courant, on savait très bien que ça serait difficile, on n'est pas surpris. Bon, pour l'instant, ça permet à nos jeunes de s'aguerrir, encadrés par 2-3 anciens joueurs. Écoutez, on va laisser jouer leur match et puis il arrivera ce qu'il arrivera. Le tout, c'est qu'ils se fassent plaisir à jouer. Et après, s'il y a défaite, il n'y a pas le feu au lac, puisque de toute façon, ça ne se jouera pas sur ce match. Il y aura des matchs peut-être un peu plus simples à gagner, mais bon. Si on pouvait marquer les esprits en gagnant le derby contre Tarare, qui pour l'instant est troisième du championnat. Tout simplement, j'ai pris contact avec donc, Laurence. Et en fait, on a eu un super bon feeling. Elle sait que je suis déjà marraine de la coordination Rhône-Téléthon Nord. Et du coup, elle a eu envie de continuer ce rôle de marraine et de le transmettre à son équipe de basket. Surtout que moi, j'ai fait du basket au Péréon. Donc, c'est un sport que j'apprécie. Et je suis toujours heureuse d'encourager nos équipes locales. Donc, voilà, c'est un grand plaisir et c'est un honneur de la part de Laurence de me l'avoir proposé. Un peu d'encouragement, j'espère, de la motivation. Après, je fais mon possible avec ma présence. Je sais que je ne suis pas coach ou quoi que ce soit. Donc juste avec le sourire et voilà, essayer de leur donner un peu de motivation.